Ah bah tu tombes bien. Ton copain Maurice était justement en train de gémir. Il dit que t'as tout faux, qu'il s'est fait pigeonner par son client, tu parles d'une pleurnicheuse. Dis, ça t'embête si je lui colle un coup de perceuse dans ses rotules? Oui, ça m'embête. T'es tellement prévisible. Ça donne pas envie de te rendre service. Justement. T'as besoin d'un service. Je prépare une embuscade. Il me faut des explosifs, tu peux m'arranger ça? Je peux tout faire. Après, si je veux le faire, ça c'est autre chose. Mais attends, tu sais quoi? Ça tombe bien. Laisse-moi récupérer mes potes et je te retrouve là-bas. Salut à tous, c'est Axel. Et on se retrouve dans Watch Dogs. Après une petite... Oh, même pas une petite pause, je suis sûr que vous l'avez même pas senti. J'ai pas joué depuis une petite semaine, comme d'hab. Hein. Et... Alors, oupsie, on va regarder ce qu'on doit faire. Trajet disponible, non merci. Alors, on doit aller ici. Mission principale. On va faire la route ensemble. Je pense que pour cet épisode, on va se promener ensemble. Alors, est-ce que le pont est... non. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui me demandait, Axel, est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas faire le Season Pass? En fait, ce que je lui ai répondu, c'est simplement que je souhaitais de préférer. Wow! So good! Je préfère dans un premier temps me concentrer sur le jeu. Déjà essayer de le finir, ça serait bien. J'ai pas terminé GTA V et je le terminerai pas. Mais celui-là, j'aimerais bien le terminer. Faut que je joue un peu plus. Et ça me dérange absolument pas. C'est quoi ce bruit? C'est mon véhicule qui fait ce bruit de ouf? Waouh. Eh ben. What the fucking fucker. Oui. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Mais ouais, il va falloir que je joue plus. Et de toute façon, Watch Dogs... Comme je disais, il n'y aura pas vraiment d'épisode sans spoiler, à part si je trouve des occupations vraiment sympas. Genre, je sais qu'il y a des mini-games, des mini-jeux qui déchirent, ou qui sont pas mal, du moins. Et ça pourrait être fun, mais je sais pas encore, j'ai pas trop exploré. Toute la partie online, en fait, pourrait être sympathique pour justement des vidéos sans spoiler, mais ou bien par exemple les crimes, etc. Pardon, le trouble fait, n'est-ce pas? What you doing? Ok, on va faire ça tout de suite. Ouh, ice cream, you scream. Camion de glace. Hey, ah, c'est Jordi. C'est quoi ça? Passe par derrière, tu verras. Ok. Comme je te l'ai dit, j'ai amené des potes. Oh merde. Je croyais que tu parlais des explosifs. Ah non, j'aurais dit les filles. Mais j'en ai aussi. Bon, j'ai besoin d'aide. Faudrait trouver un moyen d'impliquer ces gars dans une sorte de fusillade entre gangs. Ça m'enlèverait vraiment une épine du pied et puis tu me dois bien ça. Je te dois rien du tout. Bon, allez, passe-moi des explosifs. Quelque chose de pratique. D'accord. Ces deux sacs à foutre, c'est les restes d'un contrat gabonais. Si tu savais comment ils comptaient me buter. Je suis au volant d'un putain de tank, une grosse cylindrée des 70s. Tu sais, du temps où un accident de la route, c'était une putain de boucherie. Dépêche. Bref. Ces deux guignols décident de me rentrer dedans. Avec une chiotte écolo à la carrosserie tout en plastique. Et là, j'entends une sorte de ping et je les vois percuter une camionnette. Tiens-moi ça, tu vois. Génial. Merci. Ça, c'est pour toi. C'est une... bombe adhésive. Regarde. Ça colle. Cool, hein? Ouais. Bref, ces deux connards sont là à compter leurs dents. Et je sais pas si je dois marrer ou leur gueuler dessus tellement ils ont l'air pathétiques.
Alors finalement, je sors mon 45 et je les transforme en passoire. Voilà, tu sais tout. Bon, tu veux bien t'en occuper? Non, pas question. Ou alors on fait ça? Comme ça? Ouais, ce sera une sorte de... d'entraînement. Eh les gars, vous en dites quoi? Parfait, j'ai pas besoin de m'entraîner. Attends, je m'éloigne un peu. Ça va être drôle. On va faire péter le camion. Putain. Eh, moi je suis chaud, hein. Ok, vas-y, vas-y. Détruire. Ok, ok. No problemito. Donc, on fait ça. Ah. Apparemment, on fait pas ça. Les EEI sont des bombes adhésives déclenchées à distance. Une fois équipées. Oui, il faut appuyer sur G. Et puis sur A ensuite. Ouais, bon, easy. Fucking easy, motherfuckers. EEI. Give me EEI. C'est où? L'heure. Blackout. Ok. Ok. Attendez, attendez. Je suis un peu perturbé là. Je viens de découvrir d'ailleurs ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors donc là, ça c'est blackout. Ça c'est l'heure. Ça c'est grenade à fragmentation. C'est ça qu'il veut? Ou brouillage? C'est pas une grenade à fragmentation qu'il veut. Ah, attendez. Ça, je le prends. Ah, le gros boulet quoi. Je sais pas. Et c'est toujours pas. Ah non, faut faire ça. Oh putain, foireux. Désolé pour le noobisme. Yay. Ok. Je peux en fabriquer également. Salut. Il a une arme. Mais non. Oh crap. Oui, j'avais une arme. Désolé. Alors, je vais prendre une voiture. Ouah, les camions. T'as envie d'un trip numérique? Non, non, c'est à chier ton truc à la con là. What? What? Ah oui, c'est l'explosion, excusez-moi, tiens. Ok. Bon. Début de mission assez drôle. Maintenant, on fait quoi? On va où? La briqueterie, c'est quoi? C'est. Ah bah attendez. C'est ça. Perfect. Je sais pas si une super bagnole ça. Non, je. Ah, remarqué. Ah, il y a les flics qui me cherchent. C'est pas mon activité préférée, mais bon. Je préférais faire la mission si ça les dérange pas. Ouais, ouais, attention dérapage. Non, je t'ai pas tué, je t'ai pas touché, j'ai rien fait. La briqueterie, Lena. C'est là que les hommes d'Irak veulent descendre Bedbug. Sauf que ça compliquerait mon plan. Ok. Je vais leur tendre une embuscade. J'ai dit ok, tant que lui. Irak le saura, la réputation de Bedbug va monter. Et là, il sera à moi. Bon, bah, je rentre là-dedans, hein. Ah, c'est une des maps multi. Mais il doit rester des caméras de sécurité. Cool. Oh, cool. Ok. Maintenant quoi? Ouais, ouais, ouais. À choper ça, je pense. Pirater pour accéder à il faut pirater le smartphone, mais... Ok, il faut que je trouve la vidéo de sécurité. Mais c'est pas ça?
Pirater pour accéder à l'envers. Vas-y, et donc c'est assez obscur ça. Bon, j'imagine qu'il faut accéder d'abord à autre chose. On va essayer de voir ça. Plus il marche tout doucement, c'est chiant. Pirater, mais oui, mais. Ah non. Hein, je croyais qu'il fallait genre. Ok. Ah, c'est chelou, j'ai pas l'option de pirater. Peut-être prendre ça. Ah, peut-être pirater l'ordinateur. Bon. Cash. Pierce, tu t'es pas fait sauter la tronche? Pas encore. J'essaie de savoir où ces types vont se retrouver pour pouvoir leur faire une petite surprise. Ah oui. Oh, des pièges, c'est bon ça. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc maintenant, on va poser des pièges et on va les faire péter parce qu'on n'a pas envie qu'ils butent bête bug. Mais. Relier gros. Oh merde! Vite! Ça! Placer des bombes, modifier la disposition des abris et trouver un poste d'observation. Ok, placer des bombes, placer des bombes. On va placer une bombe ici. Trace de pneus. On dirait que les voitures viennent des deux côtés. Voilà. C'est bien ça, non? Ok. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. C'est ici qu'ils font leur business. Le biz. Le biz. Ici. Des traces de pneus. Le biz. Quelqu'un se gare régulièrement ici. Et peut-être une autre à l'intérieur, genre. Fuck. J'ai encore du temps. Ouais, ouais, ouais. Et moi je dirais en fait en mettre partout. Modifier la disposition des abris. Quels abris? Ok, je sais pas. Bon, en fait, faut que je fasse une stratégie quoi. Alors, moi j'en sais rien moi. Je vais aller là-haut. Je vais peut-être me dépêcher là par contre. Shit. Ils vont pouvoir monter ici. Je crois pas que je sois super bien placé. En tout cas, je peux. Get pwned. Ouh, Wu-Tang. Ça c'est bien, mais c'est pas bien pour les copyrights. Bon bah. Oh, crappers. Do that, motherfucker, 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 dot. Pas terrible, pas terrible. Looking around me, queen got the money. Da 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 da, yo.
Oh, j'ai entendu la grenade. Je me suis dit, ça va. Imhotep. Pas Imhotep du tout. Ok, je réinstalle tout ça. Bon, on va réinstaller tout ça ensemble. Ça va prendre 2 secondes. Oh putain, on n'a pas beaucoup de temps en fait. Genre là, il s'excite. Ok, vas-y. Vas-y. Vite. Une ici, je pense, c'est bien. Une ici, c'est bien. Et une dernière dans l'entrée là-bas. J'ai encore du temps. Et je vais essayer de me planquer ailleurs, mais. Burps. Là-haut serait bien, non? Comment faire ça? Non. Mais, dude. Comme ça. Fuck that shit! Bitches! Allez, on se la refait. 1, 2. Ça a pas marché. J'ai fait péter trop tôt. Holy. Je me casse. Je suis pas très bon là, les enfants. Non, on voit 0 cavalerie, mec. Pas terrible du tout, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir de fortement intéressant pour ça? Oh, la cover de la bagnole, c'est plutôt efficace, hein. Moi, ce bâtard. Oh crap. Je crois que... J'ai pas beaucoup de... Ouais, non, j'ai mal géré les bombes en fait. Donc, je vais rester dans la zone.
commencer à... leur foutre quelques balles. Voilà. Putain, race. C'est un peu violent, mais putain. 40G. Beaucoup ça, 40G. Yes. Bon allez les gars, vous venez quoi. Allez hop, je vais mettre là. Tornoscope. Je pense qu'honnêtement, ma meilleure possibilité là, c'est juste de les flinguer quoi. Un peu comme ça ou différemment, hein, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités quoi. Oui, je te vois, mec, t'inquiète. Tirer à travers les... je crois pas. Allez, custom. 20 jou. Juste repasser comme ça, buter le mec qui est là-haut. Et je crois qu'on est bon. Alors, honnêtement, c'était très moche. C'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Mais je l'ai fait comme ça. Yeah. Ça m'arrive beaucoup dans le jeu, n'empêche de... voilà, de commencer... de faire des... ouh. Attendez. Faut pirater le... ah, putain. Yes, yes, yes. Tes copains peuvent pas venir te répondre là. Ils sont morts. De quoi? Hé, hey, y a encore un mec debout? Y a quelqu'un? Allez, merde! C'est pas lui. Je le laisse s'enfuir. Il dira tout à Irak. Et Bedbug finira par se faire tuer. Ok. On va buter ces mecs. La moto, je suis pas forcément extrêmement motivé par la moto parce que, ouais, allez, c'est parti. Bah oui, la cible s'échappe, mec. La cible avait de l'avance. Tu déconnes ou quoi? Ouais, bah, je vais la louper, la cible là. Non. Je vais essayer de le... putain, c'est bon ça. Je croyais vraiment l'avoir perdu, honnêtement. Hey bro. Voilà. Bon, ça c'est une technique, hein. Écraser ses ennemis. Allez, le pont là, ça va être fun. Life has surely shown be sure rough. Yeah. Oh god. Oh merde, j'ai buté un type. Mais genre vénère. Attendez, je me mets un itinéraire. C'est où? Je suis bigleux. Je vois pas. Il est où le repère là? Putain. Dang. Ça? Ça? Il y a combien de kilomètres? Excusez-moi. Ouais, non, on y va ensemble. On y va ensemble pour terminer cet épisode. Hop.
désolé, là c'était vraiment pas. Vraiment pas quelque chose que je voulais faire. Je suis désolé. Wow. Like a boss. Est-ce qu'on peut klaxonner dans le jeu? Non, je clique, ça fait rien. Il y a peut-être un bouton. E, ça fait sortir. Je me dis, oh, espace, ça fait quoi? Non, espace, c'est le frein à main, mon cher Axel. Absolument. Clic droit, ça fait rien. Et ensuite, on arrive là. Alors, attendez. YOLO! Donc là, je crois qu'on va rejoindre Mr. Bad Bug. Bad the Bug. Mais pourquoi on veut pas qu'il meure, mais en même temps le fait de le sauver et de buter tout le monde, on est grillé. Donc est-ce qu'on va l'utiliser? Très bien. Mais je viens d'offrir à Bedbug la réputation dont il rêvait. Je dois maintenant lui faire peur pour qu'il se range de mon côté. Ok, un petit chantage, ça devrait le convaincre de m'aider. Bon bah c'est, on va terminer cet épisode par ça. Mais je peux aussi reprendre. Ok. Ça me gratte l'épaule. De toute façon, il n'a pas l'air d'être extrêmement pressé. Les mecs qui font leur footing. Je l'entends pas, attendez. Je vais me cacher là. Ça va là? Allô? Pourquoi tu m'as raccroché au nez? De qui toi? Un player comme un autre. J'ai un boulot pour toi. Attention, c'est pas un boulot pour Tyrone, c'est un boulot pour Bedbug. Je te rappellerai. Mais putain, c'est quoi ce délire là? Arrête! J'ai mal à la gorge, moi. Putain, descends de là! Ok, ok. Ok, ok. C'est quoi comme téléphone? C'est vrai. Non, jamais mec, Irak va me tuer. Ah ouais? D'accord. Non, efface tout ça s'il te plaît. Sois un bon petit indic et je fais tout disparaître. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux danser ou quoi? À me faire flipper là. Vous voulez quoi exactement? Mais là, je veux rien, c'est toi là, t'es en train de prendre ta photo là. Faites gaffe, bon, chérie. Morceau interprète Wu-Tang Clan. Ok. Bon, c'était un épisode assez intéressant. C'est bon, elle se gratte le cul. Non, on aurait dit qu'elle se grattait le cul. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est pas bien. Ouh. Ok. Pourquoi t'arrêtes pas de m'appeler? Je vais me faire tuer, putain! Dis-moi comment je peux approcher Irak. Y'a pas moyen, mec, laisse tomber, c'est cramé, il sort jamais de sa planque! T'es sûr de ta réponse? Attends! Les enchères! Il sera aux enchères de Queen! C'est quel genre d'enchères, ça? Du genre privé. C'est pas vraiment une vente aux enchères normale, tu vois. Faut une invitation. Cool, tu vas m'en trouver une. Attends, t'as cru que j'étais qui? Ok, ok. Je te rappellerai. Tiens-toi prêt. Ok. Bon, bah voilà, c'est pas mal pour terminer cet épisode. On a lancé le chantage avec le type. Oh, encore un coup de fil. Allez, dernier coup de fil. T'as trouvé un moyen d'entrer dans l'immeuble d'Irak? Ouais, j'ai convaincu Bedbug, il attend plus que mon appel. Parle-moi de la carte d'accès qu'Irak portait.
C'est le seul moyen d'entrer dans cette salle. C'est une radio étiquette. On pourrait la cloner, mais tu dois t'en approcher de très près. Irak va assister à une vente aux enchères. C'est l'occasion ou jamais. Oui, les enchères. Tu te rappelles de la mallette qu'Irak avait avec lui? Difficile à oublier. Il a fracassé le crâne de ce type avec. Il a dit que sa liste des invités était à l'intérieur. Tu peux me remercier parce que je l'ai suivi. Attends, laisse-moi regarder. Alors ça, c'est bien joué. Bien joué. Si on récupère cette mallette, tu penses pouvoir me trouver un nom sur la liste? Un nom que je puisse emprunter? Je pensais justement à ça. Je t'envoie les coordonnées de la mallette. Cool. Bon, bah voilà, on sait ce qu'on va faire au prochain épisode. Allez, à plus.